La loupe, c'est l'instrument de base du gemmologue, un outil qu'il a toujours à portée de main pour regarder les pierres. La simplicité apparente de la loupe est trompeuse. En gemmologie, on utilise un type de loupe bien particulier, que l'on appelle triplet. La lentille est en fait composée de trois lentilles collées ensemble. Cela sert à corriger deux types d'anomalies que l'on retrouve avec des loupes à lentilles simples. La première est une anomalie géométrique. En effet, une loupe de gemmologue se doit d'être aplanétique, c'est-à-dire qu'elle ne déforme pas l'objet regardé à travers la lentille. La deuxième anomalie, c'est la déformation des couleurs, qui peut être problématique en gemmologie, surtout dans le cas des diamants. La loupe de gemmologue se doit d'être également achromatique. Il existe plusieurs types de loupes sur le marché, qui se distinguent selon plusieurs facteurs. Il existe différents diamètres de lentilles, en général de 17 à 21 mm. Une loupe de diamètre 21 mm sera un peu plus lumineuse et confortable qu'une loupe de 17 mm. Il existe également plusieurs grossissements. L'usage veut qu'en gemmologie, on utilise une loupe grossissant 10 fois. C'est notamment la règle établie pour la gradation des diamants. Il existe des grossissements 20 fois et même 40 fois, mais il est important d'utiliser une loupe avec une lentille grossissant 10 fois. Une loupe peut avoir une forme hexagonale ou ronde, être chromée ou noire. Ceci est affaire de préférence personnelle, même si ma préférence va aux revêtements noirs qui produisent moins de reflets dans la pierre. Il existe également une grande diversité de prix. Pour une loupe de qualité correcte, pour débuter, il faut compter au minimum 30 € et les prix peuvent s'envoler à plus de 500 € pour des loupes de haute qualité en termes de matériaux et d'optique. Pour ma part, j'utilise la nouvelle loupe de la marque GemTrue qui a été développée de manière à fournir une loupe de haute qualité à un prix raisonnable. Elle possède une lentille très confortable de 20,5 mm avec une mise au point rapide qui permet de réduire la fatigue oculaire, ce qui n'est pas négligeable lorsque l'on regarde plusieurs pierres d'affilée. La technologie de l'optique empruntée à l'aérospatiale permet une précision et une clarté sans comparaison avec une loupe d'entrée de gamme. En plus de cette grande précision, elle présente un design élégant et pratique permettant une prise en main facile. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une loupe de qualité qui durera dans le temps au fil de vos expertises, n'hésitez pas à visiter le site GemTrue, je vous mets le lien en description. En ce qui concerne l'utilisation de la loupe, le plus important c'est la stabilité. Il est nécessaire d'avoir des points fixes et d'être correctement installé avant de regarder une pierre. Dans le cas contraire, vous aurez une image floue et vous ne verrez rien. Lorsque vous avez trouvé la position idéale, il faut garder en tête que la loupe ne doit pas bouger. C'est uniquement la pierre qui doit bouger. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de la série spéciale Gemmologie. Vous trouverez également en description les informations concernant l'Institut National de Gemmologie et la marque GemTrue.